lève alors qu'un soleil généreux inonde déjà Table Mountain. À Hope Bay, ce phoque de Siak est grand comme un cochon. J'embarque bientôt pour une mini-croisière à destination de Sea Island, connue pour sa colonie de phoques, qui, scientifiquement parlant, se révèle être des otaries. Elles sont quelques centaines, échouées sur un amas rocheux, difficile d'approche. La route offre une vue magnifique. Les eaux turquoises sont néanmoins glaciales et infestées de requins. Mais nous sommes au complet. Dans la station balnéaire de Scarborough, les villas ont des toits de chaume. La réserve du Cap de Bonne-Espérance s'étend sur plus de 7700 hectares de fynbos ou maquis et compte 1100 espèces de plantes indigènes, dont un bon nombre est endémique. Parmi les nombreux animaux et oiseaux qui la peuplent, des ibis et un élan du Cap, élan avec un D, l'une des plus grandes antilopes d'Afrique. Photo souvenir au Cap de Bonne-Espérance, orienté sud-ouest, tandis que les cormorans prennent un bain salé sous les embruns. À la pointe du Cap, encore plus au sud, un petit funiculaire permet de grimper jusqu'au phare que des milliers de bateaux ont guetté et guettent toujours. Cape Point est aujourd'hui considéré comme le point de jonction des océans Atlantique et Indien. En fait, cette jonction a lieu plus à l'est, à Cape Agulhas. Première protée sauvage. Et une balise implantée par les premiers colons portugais. En remontant vers Cape Town par la côte est de la péninsule, nous visitons la réserve naturelle Boulders, où vit une société de 3000 pingouins africains. Cet oiseau est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées. À la fin du XXe siècle, on estimait qu'il ne restait plus que 10% du 1,5 million de pingouins africains enregistrés en 1910. La colonie de Boulders est issue de 2 couples seulement.
Cette jolie baie est surveillée par un guetteur qui observe à distance les requins, jusque sous la surface de l'eau, avec des lunettes très spéciales.